C'est un peu grisâtre tout ça. Bon, bonjour YouTube, c'est Spoilou. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un autre petit vlog. Avec des potes, on a décidé comme ça de partir, étant donné qu'aujourd'hui, enfin en ce moment, c'est Thanksgiving. Nous allons à Bear Mountain Park. C'est un grand parc naturel qui se trouve dans le nord de l'état de New York. Bon, par contre, il y a 1 heure de bus. Donc là, il faudra que je me dépêche. Actuellement, il est 6h57. Oui, bon, c'est très très tôt pour quelqu'un qui est en vacances, mais voilà. Du coup, je pense que ça va être très très cool, donc bah, let's go! Allez, c'est parti, je croyais que j'avais plus à avoir de place dans le sac. Ça a l'air d'être une bonne journée. C'est parti pour 1 heure de bus, 1 heure. Je vais dormir, voilà, clairement je vais dormir. Ça y est, on est arrivé. Thank you, Barry, have a good day. Wow! Santé, respirez cet air frais de nature. Oh punaise, ça fait du bien. Pas de bruit, du soleil, tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Mec, là, il y a une vraie entrée, genre. C'est calme, paisible, et l'entrée de l'autre côté. Moi je m'installe ici direct. Il s'engrait tout seul sur du Maxence. Par contre, il fait froid, hein, les gars. Hein. On se les gèle déjà. Allez, on part en projet Blair Witch. On va rencontrer la sorcière de Blair. Ok les gens, je suis soufflé déjà. Juste pour vous montrer à quel point c'est vraiment calme, écoutez. C'est totalement apaisant. Franchement, ça contraste énormément avec la ville de New York, ça fait du bien. New York, c'est vrai que c'est un peu chiant, New York pour ça. Surtout Manhattan, il y a beaucoup de bruit, il y a des klaxons partout, c'est insupportable. Tu te sens un peu plus libre, ça fait vraiment du bien, tu respires et tout, t'es détendu. Et t'es aussi essoufflé. Et là tu te rends compte que depuis tout à l'heure tu parlais et que la caméra était pas activée. Bon du coup je recommence tout mon pitch que j'avais dit. On appelle pas Bear Mountain Park pour rien. D'où le nom, normalement il est censé y avoir des ours. Donc, on espère, enfin, la plupart des gens espèrent en croiser, sauf qu'on sait pas comment réagir face à un ours. Est-ce que quelqu'un sait comment réagir si jamais on croise un ours ? Je suis un membre du groupe. Oui ? Donc, je propose celui qui nous a conduit dans ce chemin. Simon ! On crée notre propre petit chemin.
Ouais. J'ai l'impression d'être un vrai gamin en fait là. C'est d'une beauté, mais absolument. So full of desperation, I can barely stand the rotation. I can hardly start to speak. Sur le chemin du retour, il fait hyper froid. Je me les gèle. Ah. Bonjour, actuellement nous sommes en train d'essayer de trouver notre chemin dans ce bourbier. C'est très compliqué, je sais pas comment on va faire. À descendre ou à remonter. Je crois qu'ils sont morts en fait. Ah putain, mon pied. Non, me dis pas qu'on fait demi-tour. Non, ça aventure pas là-dedans, genre c'est la galère, il y a des bons. Moi je serais remonté, tu vois. Non mais c'est. Dans tous les cas il y avait un chemin genre. C'est juste on est parti trop tôt à droite, fallait continuer à descendre. Hello darkness my old friend. Oh merde. Oh non. Oh putain. Ça qu'on aime mec. Ouais ça qu'on. Ah mon dos putain. Je suis de colonne. Ah! C'est à ce moment-là où t'as envie d'être ailleurs! On voit que c'est l'aventure là! Wow! Putain, ça glisse en plus! Après un long voyage à travers la forêt, enfin une longue escapade à travers la forêt, on est enfin rentré! C'était une super bonne journée! Il y a de la neige! C'est bon. Thomas. Ah vas-y. Putain. C'était nul ce lancer. C'était mauvais ça. C'était très mauvais. En tout cas, c'était une super journée, hein. C'était vraiment cool, la journée était ouf. Donc bon, je vais pas vous faire tout le retour et tout, là je vais prendre le bus, on va rentrer, etc. Je vous retrouve très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.